Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Normalement, c'est la vidéo du dimanche, mais vu qu'hier, j'ai voulu prendre un petit peu de repos parce que j'étais KO, j'avais pas envie de filmer de vidéo. Du coup, bah, ce sera la vidéo du lundi. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais bien. Je vous remercie. Je remercie les gens qui sont là avec moi, donc Christo, Swinger, Siriu, parce que je prends le truc le plus simple, Big Choco, ça me donne faim, Grenom et Porish. Fashion Jojo n'est pas venu, donc tant pis. Maintenant, je fais attention à inviter des membres du crew, des abonnés, qui n'ont pas forcément participé à des vidéos, comme ça au moins ça tourne un petit peu, parce que c'est vrai que des fois dans les courses, on voyait toujours les mêmes personnes au début des courses sur GTA V que je faisais, et c'était un petit peu dommage. Maintenant je fais une session privée, je fais bien attention à inviter des membres de crew qui n'étaient pas là avant, et puis je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. De toute façon, alors je vous parle, normalement, j'aurais sans doute fait le tri, hein, sur papier, parce que c'est ça avant tout. Je vais écrire qui je vais virer, et le tri ça ferait, on se comprend, très prochainement, hein. Je l'aime bien avec son petit tatouage, ça sera fait prochainement, hein, vous inquiétez pas, ça prendra un petit peu de temps. Par contre, je tiens à préciser, parce que je le dirai pas 50 fois, le crew, je le mettrai sur invitation pendant que je fais le tri, pour éviter de faire 200 places. Et avant de finir de faire 200 places, eh bien, je vois les gens ont déjà rejoint, donc ça sert à rien. Ne rejoignez pas quand le crew sera sur invitation, je le précise bien, parce que personne pourra accéder et je lèverai le truc. Oh putain, ok. On est tous des cons. En fait, c'est le mec qui est parti en dernier, qui. Allez, je me fais une belle avance. Je pense que nous sommes tous des têtes de cochon, hein. On a pas fait gaffe. Et j'aurais précisé une petite chose. Je me suis dit, je vais leur faire plaisir, hein, parce qu'ils ont été gentils quand. Bah, quand. C'est quoi ça? Ok. Donc en fait, on peut faire un saut, ce que je n'ai pas fait du tout. Par contre, dehors, ça serait bien que le scooter ou que la moto arrête de faire du bruit. Hein. Je veux bien qu'il y ait une ambiance un peu, voilà, course de rue et tout, mais. Merde, en fait je pensais qu'il fallait prendre un gauche. Je conduis un peu bizarrement, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. En ce moment je suis en train de faire GTA 4, hein, pour ceux qui se demandent. Et sachant que je fais GTA 4, la maniabilité du jeu n'est pas pareil que GTA 5, forcément. Donc voilà, pour le coup, oubliez pas, ne rejoignez pas quand le truc sera sur invitation. Parce que je serai juste en train de faire le tri. Et ce sera mieux, voilà. Ok. Ouh, pareil. Et pas mal celle-là, franchement. Bon, après. Après le reste, c'est pas terrible. Mais franchement, c'est pas si mal. Je leur ai dit, mes petits abonnés, à la fin de ce tournoi. Ok. Oh non. En même temps, si je conduis comme une merde alors que je fais être premier, ça va pas le faire. Je leur ai dit, mes petits loups. Par contre, faut aller par où là? Ouais, par là. J'aurais dit, mes petits loups, le premier qui finit la liste en premier, à part si c'est moi, donc le deuxième, sera le chauffeur de la FAQ. Je me dis, tiens, vu que je fais les vidéos courses le lundi, ça peut être sympa de leur faire plaisir. Ok, je fais une toupie. Okay. Bon, en même temps, ma voiture, elle est morte. Donc c'est un peu normal qu'elle tourne un petit peu n'importe comment, mais je pense avoir assez d'avance. Hein. Course très sympathique, finalement. Au début, je pensais que c'était une course simple, mais finalement, il nous offre la possibilité de faire des sauts qui ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est mieux de les faire pour, voilà, si on fait la course, autant faire ça comme ça. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, ma voiture penche, vous voyez, là je fais tout droit, mais elle va vers la droite. C'est un peu déstabilisant, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est très simple pour m'envoyer vos courses, vous m'envoyez un message privé sur YouTube, avec le lien de votre course, un petit descriptif vite fait pour que je sache qu'est-ce que c'est pour, parce que des fois j'ai envie de faire des courses techniques, des fois des courses what the fuck, des fois des courses de moto, etc, j'aime bien cerner un petit peu le truc. Donc vous m'écrivez, voilà, tiens Cotier, c'est une petite course comme ça, on peut jouer à tant de personnes, hein, si tu veux tester, teste là, voilà. Vous m'écrivez ça, hein, vous m'envoyez ça en message privé sur YouTube, et moi après je m'occupe de quand je vais la faire, bien entendu. Et voilà, je compte sur vous pour ça, parce que vous m'envoyez beaucoup de courses, donc merci, ne vous inquiétez pas, les courses qui ne sont pas faites, elles sont pas oubliées, hein, que je les garde toujours en message privé. Qu'après des courses, je me dis qu'ils peuvent être plus intéressants que d'autres, donc après c'est à moi de choisir. En même temps, je vais finir premier, je pense. Hein. Là, je conduis tranquille. Hein. Pourquoi je conduis tranquille? Parce que je sais que normalement, j'ai bien dit normalement, je vais la finir premier, donc tout va bien.
Allez. Ça, on peut le péter normalement. Ce qui peut être déstabilisant, c'est des fois de ne pas savoir où on va. Par contre, je sais pas comment ils font pour se suicider. C'est vrai que des fois, quand on fait un très très grand saut, bah la voiture prend cher. Oh, regardez, je suis une grind. Hein. J'ai peut-être plus Skate 3 parce qu'il marche plus, mais j'en fais sur GTA. Voilà. D'ailleurs, faut que je récupère Skate 3. J'aimais bien. Vous aussi, vous aimez beaucoup parce que. Oh là, ouais, c'est quoi ça? Oh putain, merde. Je me disais, mais merde. Comment ça se fait que quelqu'un soit en dessous de moi là? Pas que je me passe de position, mais quand même. Allez. Et je tiens à préciser que les courses que je teste en vidéo, c'est des courses que je n'ai jamais faites. Hein. Je tiens vraiment à préciser parce que avant, c'est ce que je faisais, je testais avant. Avant, je testais les courses pour savoir si c'était bien ou pas. Pour vous proposer quelque chose de sympa, mais après on a vu que bah que c'était chiant parce que je les connaissais déjà, donc autant se faire plaisir. J'espère qu'il a pas mis un point vers l'infini le blanc. Et voilà, première course, première victoire, ça se passe plutôt bien. Une bonne petite course. Après, bah, on va voir pour les autres. Comme d'hab, je ferai sans doute un petit montage hein, que je couperai parce qu'après, c'est peut-être chiant d'attendre 5 minutes. Je ferai le montage pour savoir qui a... Mais c'est quoi cette tête de travelo que j'ai sans le masque, sérieusement? Surtout que j'ai gardé ma barbichette du truc de l'indépendance, c'est pas grave. Donc oui, voilà, je vous laisserai l'écran comme ça pour savoir qui a fini premier, deuxième, troisième, etc. etc. Ils ont pris tous la deuxième tourneau, bah fallait pas la prendre, voilà. Mmh. Je mets un petit j'aime, et puis c'est tout. On se retrouve très bientôt, à tout de suite. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Par contre, j'ai oublié de préciser une petite chose, hein. La course avait été créée par Clix42, donc merci à toi d'avoir envoyé ta course, hein, bien entendu. Ce que j'avais oublié de préciser, c'était qui avait créé telle ou telle course. Bon, je commence bien, tout va bien pour le meilleur, pour l'instant. Et vous savez très bien, quand je commence bien une vidéo, bah, ça finit toujours mal, donc voilà. Alors, nombre de tours, 10, parce que c'est du NASCAR, oui, c'est un abonné qui m'a dit, tiens, ça serait bien de faire du NASCAR, donc avec des grosses cylindrées. Pourquoi pas. Moi, j'avais fait ce genre de course à l'ancienne. Quelqu'un l'avait, ouais. Me l'avait présenté. Par contre, si Christo, hein, tu vois que t'es en muet, c'est normal que ton micro, en fait, il faisait... et ça me stressait, en fait, d'entendre ce bruit-là. Donc, voilà. Je sais pas du tout c'est laquelle des voitures qu'il faut prendre. Ouais, la gotelette elle a l'air mieux. Bon, je vais prendre celle-ci, on verra bien. En espérant que ça se passe plutôt bien. Impatiable, il vient de rejoindre la partie. Oh, mais toi, t'as dû te manger tous les murs de la course précédente. Eh, vous êtes frères, vous deux? Eh! Franchement, ils sont frères. Je vous jure. Je vous jure que c'est les mêmes. C'est pas possible. D'ailleurs. Le mot magique de cette vidéo, oui, qui il sera un petit peu court, pourquoi pas deux, on verra bien, c'est jumeaux. Vous devez placer jumeaux en commentaire. Est-ce que vous en connaissez d'ailleurs des jumeaux? Moi, personnellement, j'en connaissais. C'est une fille et un mec qui se ressemblaient pas trop, finalement. Qui étaient des faux jumeaux, je crois que ça s'appelle comme ça. Allez. Normalement, c'est une course sur la longueur. Et vous savez tous que moi, au niveau de la longueur, bah, ça me connaît, j'ai envie de vous dire. Donc alors, ça va bien se passer. Le plus dur sera quand je vais rattraper les gens. Est-ce qu'ils vont me gêner ou pas? Telle est la question, on verra bien. Mais sinon... Oh, attention, mon gars. Voilà, voilà, c'est ça dont je parlais. C'est ça que je vous parle, en fait. Vous voyez? Salut, Kilos. Oh non, mais gêne-moi pas. Je t'ai pas laissé rejoindre la session pour que tu me pousses, hein. Voilà, là, tu peux me voler l'inspi, pardon, si tu veux, hein. Comme dirait Mr. Bibi, c'est familial. J'aime bien ces expressions à chaque fois, parce que il nous les... Excuse-moi, Kidos, par contre, j'ai dû te pousser comme un con, donc je m'excuse à chaque fois. Donc oui, comme je le disais, je sais pas si vous êtes pareil, mais quand vous écoutez des youtubeurs avoir des expressions... Bah, à force de les écouter, eh bien, bah, vous les reprenez. Hein. C'est pas fait exprès pourtant. Avant, je disais jamais au calme. Je trouvais ça chiant, nul et tout. Et puis, à force d'écouter certaines personnes dire ça, bah voilà, on. Putain, mais lui, c'est suicidé. Oh god. Donc, bon, je pense celle-ci, je vais la gagner. Eh, mais. De quoi mauvais sens?
Mais qu'est-ce que tu me racontes, mauvais sens, toi? Oh mais non, mais il m'a poussé, lui. Après, ce qui est chiant avec ces voitures-là, en fait, c'est dès qu'on se mange un obstacle, c'est très très dur de repartir, parce qu'elles sont lentes. Enfin, vous avez pu remarquer, quand j'ai voulu faire une marche arrière, c'était super lent. Je les pousse, hein, au calme. Y'a pas de problème. Donc, allez. Tout va bien, je sais pas, je suis à combien de tours. Attention, attention. Et si je gagne... Bah oui, bah... Allez, 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 vas-y, vas-y. Merci. Appelez-moi le gros chien. J'ai dit oui, si je gagnais cette session, franchement, ça serait tellement bon. Ça serait la première fois, peut-être que... Ah, c'est là, peut-être, où ça dit que j'ai fait mauvais sens. Bah oui, mais en même temps, on va pas faire demi-tour. Hein. Je vais pas faire demi-tour pour repartir sur ce point. C'est totalement stupide. Ok. Il y a des personnes qui ne connaissent pas... La prudence. Ils vont à fond, maintenant. Comme je dis, hein, c'est toujours la tortue qui gagne. D'ailleurs, en parlant de tortue, ma mère a peur de ça. A peur des tortues, je sais pas comment on fait pour avoir peur des tortues, mais... Oh putain. Oh putain. Il s'est cru dans Fast and Furious. Oh non, ça serait tellement bête de perdre à ce moment-là. Oh merde. En même temps, on cause des accidents, mais sans le vouloir. Après, maintenant, je comprends des fois... Bah, on dit, oh merde, putain, tu m'as gêné, tu m'as poussé, mais non. C'est juste que nous, on sauve notre peau quand même. Hein. Voilà. Je vais pas non plus regarder à droite ou à gauche pour savoir si je peux faire ma marche arrière. Donc après... On va voir comment ça se passe. Et par exemple, Christo, il a voulu sans doute faire une marche arrière. Par contre, c'est pas cool. Je ne sais pas du tout, je suis à combien de tours, je sais pas. Je fais... Non, s'il te plaît, Christo. Putain, les Christo. On se souvient surtout du goût. Ça me ferait tellement chier de... Oulala. C'est quoi tout ce beau monde, là? Finalement, c'est pas si mal de la faire avec cette voiture, parce que elle est lente, elle est compliquée à manipuler, enfin, ce style de véhicule. Oh, je laisse s'entretuer. Hein. On la gère, hein. Je vous avoue que je laisse l'accélérateur, je freine par moment. Parce que voilà, dans la vie, faut savoir vivre. Ok, on est qu'à 6 tours hein, quand même. Je sais pas combien de tours il faut faire dans ce truc, mais pourtant, pour moi, un tour c'est un tour. Donc ça va durer un petit peu longtemps, pourquoi pas. C'est un petit peu dommage, j'aurais peut-être dû mettre 5. Mais moi je pensais que un tour c'était vraiment un tour. Excuse-moi. Je dis ça en espérant qu'il m'entende, tu vois. J'espère qu'il m'entend et il va se dire, ah mais c'est pas grave, ouais. Coty, s'excuser, je vais pas le faire chier. Voilà, donne-moi un petit peu ton aspi. Je sais pas pourquoi avant je disais inspiration. Je sais pas pourquoi. C'est moi en même temps, moi et le français, ça va pas trop ensemble. Excuse-moi, Grenoble. Après, c'est peut-être parce que je prends le mauvais sens que ça prend autant de temps pour faire les tours, je sais pas. Mais je pense pas que sinon je serais dernier. Hein. Mais là. Oulala. C'est ce qu'on appelle un accident. Accidenté. Accidenté, putain. Oulala, attention. Tout va bien. Je défie tout le monde de. Regardez cette course sans cligner les yeux une seule fois. Ceux qui réussit, bah. Rendez-vous à l'hôpital. Hein. Et, s'il te plaît. Non mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est obligé que c'est une personne qui va me gêner. Ah non mais il faut. Oh merde. C'est dommage que j'avais réussi toute la course. Vraiment sans. Sans problème. C'est-à-dire sans. Voilà, sans bifurquer à droite ou à gauche. Non, s'il te plaît. Oh, bah en même temps, j'ai 41 secondes d'avance. Je peux même aller boire un café si je veux. Donc, voilà. Sachant que j'ai 41 secondes d'avance, ça va tranquille. Ils ont peut-être pas pris la bonne voiture aussi. On regardera à la fin. Que tout à l'heure, on avait bien pu voir qu'ils ont tous pris une Zentorno. Et moi, j'ai pris la NTT, ma voiture préférée, hein, d'ailleurs. Et tout allait pour le meilleur du monde. Je voulais vous parler d'un truc durant cette vidéo en plus, mais je sais plus c'était quoi. Je voulais vous dire. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais. Oh merci. Oh je t'aime. Merci Big Choco. Et pas merci Green. Ok, ma voiture avance plus.
Ok. Je pense qu'elle a eu un petit problème au niveau de la pédale d'accélération. Accélérateur. Allez. Tout est bon dans le cochon, on va y arriver. D'ailleurs, bonne fête à tous les musulmans, tant qu'à faire. Oui, je sais que je fais le paradoxe cochon-musulman, ouais, je sais bien que c'était mal placé, mais je sais pas pourquoi en parlant de cochon, ça m'a fait penser à ça. Il y a du monde qui est venu chez moi d'ailleurs, donc... Donc, je sais pas pourquoi je parle fort par moments, qu'ils doivent me prendre pour un fou. Merde, merde. Bah, là, j'avoue, j'ai fait le dégât. Mais j'avais la flemme de faire triangle. C'est ce que j'aurais peut-être dû faire. Je fais attention que... Allez, allez, pousse-toi, ma biche, s'il te plaît. C'est très gentil. Bon, normalement, on est... Oulala, 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 oulala. Non mais, pourquoi me fais-tu tout ça? Vous imaginez? Là, il m'aurait dépassé, il serait deuxième. Oh, ça... je serais deuxième. Oh, ça m'aurait foutu les boules. Oh là là, j'aurais jeté la console par-dessus la fenêtre. Enfin, par-dessus mon balcon, plutôt. Allez, c'est le dernier tour, tout va bien. Ouh, putain, lui, là, il est parti. Il est dans le futur, lui, dans le ciel. Allez, on se concentre. Allez, je vais essayer de t'aider. Ou pas. Allez, je suis dans le futur. Ouh là là, putain, mais il me fait flipper. Ah, il arrache kit. Allez. Kilos, il arrache kit. Kilos, il arrache kit. Oh, kilos, il arrache kit. L'ascension du rage kit, eh oui. Maintenant, à chaque fois qu'une personne rage quittera, bah, je dirais ça. Enfin, rage kit. Tout est relatif. Elle a peut-être pu avoir une déconnexion. Elle a peut-être dû partir. Mais je la chanterai quand même. C'est cool. Bon. Alors, comme d'hab, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour voir le classement et commencer la troisième course. D'ailleurs, merci à... avant que j'oublie, comment s'appelait-il? À Joris88 qui m'avait envoyé cette course, donc merci à toi. Ah, tête de vénère qu'il a sur la fin. Oh, je vais te défoncer. Bon, pour l'instant, tout va bien. Il suffit que je sois allé, disons, deuxième durant la troisième course. Ou moins dans le top 3, et je pense que c'est pratiquement du tout bon. Sachant que Gréonome est parti lui aussi. Il est peut-être... il a peut-être envie de partir, je sais pas. Mais il est parti, donc nous avons été rejoints par Kikou. Hein, Kikou qui était avec moi. Je l'appelle Kikou parce qu'en fait c'est Kiko hein, à la base. Mais j'aime bien dire Kikou. Hein, c'est voilà, j'aime bien. Donc c'est en mode super sportive. Il y a Kikou qui nous a rejoint et un membre de One Piece. En espérant qu'il soit pas très fort, hein. Hop. On joue, c'est parti. Allez, on se concentre. Moi, je vais prendre ma NTT. Je pense qu'ils vont tous prendre la NTT. Du coup, Victor, j'ai gagné avec. Je vais garder le vert clair et la branlette. Parce que... je vais tout... Parce que ça a plutôt bien fonctionné depuis le début. Ouh, il est beau gosse. T'as une coupe de cheveux très bizarre. J'aime bien ton bouc. Mais la coupe de cheveux, ça fait penser aux footballeurs. Qui ont toujours une coupe de cheveux bizarre. Du coup, comme les gens sont tellement fans des footballeurs, ils se disent, ah bah putain, si un footballeur fait cette coupe de cheveux, bah faut que je la fasse parce que c'est trop stylé et que tout le monde va trouver ça swag, comme ils disent. Eh bien au final, non, c'est nul. Mais bon. Des freins ou rien. Des freins ou rien qui est une course de... De je ne sais plus qui. Je sais plus qui l'a créé cette course. Mais en tout cas, c'est... c'est peut-être une course de... qui a été validée par Rockstar, mais on m'a dit qu'elle était bien. Donc j'ai décidé de la faire, en espérant que ça se passe bien, que j'aime bien aussi mélanger un petit peu abonnés et courses de Rockstar, etc. Que généralement, les courses validées par Rockstar, c'est aussi fait par des gens et elles sont plutôt propres. Allez, on se concentre. Oh putain! Oh les bidons, voilà, j'ai dit quoi? J'ai dit Kikou, c'est un gros vilain parce que forcément il joue plutôt bien. Mais bon, si je l'ai pas fait déjà cette course, mais c'est pas grave. Hein. Le but, mais... tu veux que je te défonce? Le but c'est de s'amuser et tant qu'on s'amuse, tout va bien. Ouais, non, je l'ai faite, mais hors vidéo celle-là, il me semble. Et bon, avec ma mémoire de poisson rouge, bah forcément je fais une course, moi 10 minutes après je l'oublie.
Regardez ce beau virage. Oh, ça, c'est vraiment des courses plaisantes quand vous les faites comme je viens de faire, là, vous voyez. Où ça glisse comme avec du beurre. Hein. Et je dirais pas avec quoi d'autre, parce qu'après, on va prendre pour un gros ferveur encore plus que d'habitude. Oh, merde. Oh, et c'est plantant en plus, vous voyez. Ça, c'est toujours ce qui m'arrive. Je vous jure, à chaque fois que je me plante, bien la personne devant moi se plante aussi. Du coup, je me dis, merde, si je m'étais pas planté, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà. C'est l'histoire de ma vie. Le cycle éternel. D'un enfant impuni. Je crois que ça se dit comme ça. La chanson du Roi Lion. Je sais pas, c'est... Toujours quand je chante une chanson... Le début, je la connais, mais après, j'invente un petit peu... Ouais, en plus, je la fais bien, la course, là. Hein. Je la fais plutôt bien. Et... On est plus que 6, donc il y a des personnes qui sont parties à nouveau. Je sais pas qui, c'est dommage pour eux, hein, parce que moi je leur avais dit justement... Celui-là, merde, celui-là dans le classement qui finirait en premier, enfin en meilleure position, serait le chauffeur de l'FAQ, parce qu'ils veulent pas de l'être. En même temps, je peux pas tout faire non plus. Hein. Je propose après, c'est aux gens de faire attention. Mais avec le nouveau tri, tout ça, comme j'en ai parlé au début, il y aura des nouveaux membres motivés, parce que... C'est vrai qu'il y a des gens, en fait, c'est comme tout. Hein. Vous voulez quelque chose dans la vie. Je peux parler parce que maintenant, je sais que je vais arriver deuxième, normalement, si tout se passe bien. Et je pense pas le rattraper. Vous voulez quelque chose, franchement, je sais pas. Vous voulez une PlayStation 4. Mais vous la voulez vraiment. Ah, vous la voulez à fond. Oh putain, je veux ma PS4, je veux ma PS4. Du coup, bah, quand vous l'avez, bah, ça y est. C'est comme si que vous vous en foutiez un petit peu. Vous avez ce que vous voulez. C'est un petit peu comme les filles qui aiment les mauvais garçons et tout, l'un. À fond tout pour l'avoir parce qu'elles aiment ça, voilà, mauvais garçon et tout, ou comme les mecs hein, qui veulent une fille et dès qu'ils l'ont, ils s'en foutent un peu, voilà, ils se. Ouais, j'ai eu ce que je voulais, voilà. Donc ça se passe un petit peu comme ça pour le crew, j'ai l'impression. Les gens veulent être dans le crew pour être dans des vidéos, faut pas se mentir non plus, voilà. C'est surtout pour ça, il y a aussi des gens qui veulent être pour autre chose, hein, mais bon, faut généraliser. Ah, ça, je t'aurais bien tamponné là, mais j'ai envie de jouer fairplay. Ouais, et du coup, bah. Comment dire. Oui, voilà, ils ont eu ce qu'ils veulent, ils sont dans le crew, après ils se connectent plus, ou ils vont sur 50 crew. C'est ce qui arrive pour pas mal de personnes, en fait. J'ai remarqué, il y a des gens, je le vois hein, sur les vidéos d'autres personnes, hein, que je vois aussi quelquefois des potes youtubeurs qui font du GTA V. Je vois souvent les personnes qui me rejoignent dans mes vidéos de course, qui rejoignent aussi d'autres personnes, mais qui changent juste le crew pour y aller. Là. Enfin bref, vous avez compris le truc. Moi ça me dérange personnellement, je préfère plus laisser une personne qui est vraiment motivée pour le coty crew, le crew coty, et qui se donnera à fond pour le truc et pour faire évoluer la chose. Qu'il y a des personnes qui sont aussi très actives sur le forum, hein, sur le forum de social avec tout, qui balance des messages, des courses, etc. Et ça, j'oublie pas. Hein. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est un peu dommage, les gens ils font tout pour y être, et après dès qu'ils y sont, bah... Après en même temps, il y a aussi un truc qui est bizarre, c'est qu'il y a 1000 personnes par crew, et moi quand je vais dans une session, enfin quand je me connecte, je peux voir que 20 ou 30 personnes. Après, faut... Et c'est tout le temps les mêmes que je vois. Donc, je sais pas si Rockstar font en sorte que je vois toujours que les mêmes personnes, mais c'est un petit peu bizarre. Kikou, je te déteste. Hein. T'as fait louper mon 1 partout, voilà. Bon, normalement, je terminerai quand même premier du truc. Mais je te déteste quand même, parce que je sais qu'il écoutera cette vidéo. Allez, on se concentre. Dernière course qui a été faite par je ne sais plus qui. Ouais. Encore une fois, j'oublie assez vite et je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Bon, voilà, j'ai mis au micro pour alerter les gens. 42 points, je pense que ça va plutôt bien le faire. Hein. Et là, ça va se battre hein, pour la dernière place, pour savoir qui va être le chauffeur de la FAQ. Ça va se battre. On peut être 16, mais on va plutôt rester comme ça. Hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai moto de base, donc on va choisir moto, midi, beau temps, juste non véhicule custom, et c'est parti. D'ailleurs, c'est une course qui a été réalisée par Quentin Superfun. Donc voilà, Quentin Superfun, dédicace à toi. Et moi, je vais vite fait fermer la porte de ma chambre. C'est bon, je te critique même plus, toi. Que je l'ai critiqué avant, il m'a battu. Voilà. Merde, je suis prêt à jouer, oui. En même temps, si je valide pas, on va pas aller loin. Allez, on se concentre.
Qui n'a pas validé? Qui n'a pas validé, Christo? Petit cochon. Allez. Oui, donc c'est bien, Quentin. Donc merci à, encore une fois à toutes les personnes qui m'envoient les courses. Hein. La semaine prochaine, il y aura encore d'autres courses. Et ce sera dimanche, hein, vous inquiétez pas, ce sera pas lundi prochain. Quand j'ai du retard, c'est juste parce que voilà, j'ai pas forcément le temps. Ok, je vois c'est quel type de truc. J'aurais peut-être dû prendre la crosse. Non, là, c'est... Mais non! Allez. Ça, en fait, faut être le premier. C'est-à-dire... Comment dire ça? Voilà. Mais comment ça se fait? Pourquoi il me... Ah! Bah, j'aurais dû prendre la chante chaise. Vous inquiétez pas. Je suis un artiste hors pair. Depuis tout petit, je fais ça. Voilà. Allez, ça serait tellement bon que je finisse premier. J'aurais pratiquement fait le truc parfait. Allez, allez. Je sens que j'ai plus de vitesse. Je vais me noyer. Parce que vous savez tous que les cochons ne savent pas nager. Enfin, c'est une légende. Allez, allez, franchement, je suis tellement... En plus, la course, elle est longue, quoi. C'est-à-dire que si vous plantez, vous devez tout recommencer, mais ça va être rageant sur rageant. Je vous jure, heureusement que je me filme pas. Non! 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 Putain, je crie. Ah non, je suis dégoûté. Oh, je suis vraiment... Mais qu'est-ce qu'il a fait à droite, lui? Ah, je suis dégoûté. Putain, j'aurais bien voulu réussir en un coup, quoi. Ah, bordel. En fait, faut laisser les gens... Voilà. Battez-vous, suicidez. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu sors? Mais pourquoi il sort de sa moto? S'il vous plaît, expliquez. Mais le pire, c'est que j'avais réussi, quoi. Ça me... Non, mais pourquoi t'es mort comme ça? Je vais rien dire. Mais voilà, pourquoi nos personnages sortent de... En fait, je pense qu'il... Ok, il y a une personne qui a fini. J'aurais pu finir moi aussi, j'aurais pu la finir. Mais vas-y, mais... En fait, je... Ouais, mais faire un saut, c'est nul. En fait, je pense à cause des... Attendez, faut attendre un tout petit peu, je crois. Mais vas-y, s'il te plaît, mais pourquoi tu sautes comme ça? Tu fais pas ton Tarzan, là? Non, mais comment... Non, mais vas-y, mais... Il me tue. Mais il me tue. Il me tue. Vous savez ce que ça veut dire? Il me tue. Vas-y, s'il te plaît. Gna gna gna. J'aurais dû prendre la chanteuse. Le pire, c'est que j'ai foiré tout près du but, que ça... Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est parce qu'il a pris la même couleur que moi, voilà. Trouvons une excuse, hein. Trouvons-en une. Je pense que... Le pire, c'est qu'au début, il faisait bien. Pourquoi maintenant, d'un coup, il le fait plus bien? Oh, merci. Oh. En fait, lampe à merci. Bon, bah je vais compter sur mes compatriotes pour finir la course avant moi. C'est dommage, franchement. Bon, maintenant, c'est peut-être le bon truc. Et je vous rassure, hein, enfin, je vous rassure, oui, non. C'est vraiment compliqué à faire. Hein, parce que les gens... excuse-moi, Christo, je t'ai un petit peu monté sur la tête. Les gens peuvent croire que c'est super simple, mais franchement... Non, mais non! Une fois la manette en main, c'est beaucoup plus difficile qu'on puisse le croire. Là, c'est bon. En fait, il y avait tellement de personnes qui voulaient emprunter ce chemin, finalement, je pense que la bouée elle était vraiment dans l'eau, du coup, on pouvait pas la prendre. J'arrive! Tropicor! On se soumet sur tout du coup. Oh non, non, non! C'est à cause de ça, d'ailleurs, que je me suis
planté parce que. En plus, à la fin, il les a pas mis tout droit, on dirait. Il les a un petit peu bifurqués. Mais pour cette dernière course, bah, c'est pas plus mal qu'on fasse un truc aussi énervant. Parce que c'est vrai que les courses avant, c'était pas forcément compliqué dans le sens où voilà, il n'y avait pas de tirage de cheveux. Putain de merde. Désolé. Il était venu du cœur celui-là. Il est venu. Vraiment. Non, mais Mugiwara, GG. Bah, je pense qu'il faut qu'une dernière personne réussisse pour que les autres finissent en non classé. J'avoue, ça me. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel. Ça me déçoit un petit peu que ça finisse comme ça, mais. J'ai embêté tout le monde là. Ah putain, il est en train de se noyer, Kiku. Kiku est en train de se noyer. J'arrive pour te sauver. Regarde. Mais tu, Kiku. Oui. Faut attendre que ces personnages. Allez, là je pense que je peux y arriver. Allez, cette fois-ci on y va. S'il vous plaît, maraboutez-moi. Putain, j'ai du mal à le sortir celui-là. Donc je compte sur vous, s'il vous plaît, maraboutez-moi pour que je réussisse. Je sais qu'il y en a qui le feront pour que je réussisse pas, parce que ça vous amuse peut-être de me voir galérer, hein. Sachant que normalement la liste, je l'ai gagnée, forcément. Même si j'arrive dernier. Après, il y a un moment où il faudra. Voilà. Allez. Allez, Moussaillon. Non, s'il te plaît. Je te jure, mon cochon, je te donnerai plein de vomi. Si tu réussis. Non. Oh punaise, je vais réussir. Oh oui. C'est pas pour que tu le fous de ma gueule. Oh, heureusement. Eh, vous imaginez s'il aurait fait ça et je serais retourné au début. Je vous jure, mais. Je l'aurais tué. Je l'aurais littéralement tué. Non, mais c'est dommage, j'aurais vraiment pu réussir un bon petit truc. D'accord. Tout à fait normal. J'aurais vraiment pu réussir quelque chose de très sympathique dès le début, dès la deuxième fois, il me semble. Malheureusement, bah sur la fin, ce que j'ai pas prévu, c'est que c'est plus éloigné en fait sur la fin. Du coup, faut donner une plus grosse accélération, alors qu'au début, voilà, j'allais plutôt lentement. Et puis c'est fini. On finit avec une petite roue et voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo course, hein. Un petit peu fail sur la fin du lundi, mais quand même, je suis comme arrivé troisième, c'est pas si nul que ça. Bah, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit like. Encore une fois, je compte sur vous pour proposer plein de courses en comment ça s'appelle, en message privé sur YouTube. Hein, même si la semaine prochaine, je pense que je ferai des courses GTA des personnes qui font du GTA, enfin qui ont créé. Bref, vous avez compris, je pense. Et si j'oublie de mettre les liens dans la description, n'oubliez pas de les mettre. Hein. Je vous laisse la fin pour savoir qui a gagné. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Salut.